L'État, la municipalité a décidé de mettre en place un plan d'action pour déjà sensibiliser les usagers, sensibiliser les jeunes, donc à travers des médiateurs, etc., qui les ont rencontrés. Mais également, nous allons augmenter les contrôles. Les forces de l'ordre seront un peu plus présentes dans ces secteurs pour sensibiliser ces usagers. Voilà. Donc nous, on est très ravis de la part de la SAMTO que la ligne est dorénavant à nouveau redesservie, mais également c'était une forte demande de la part des usagers qui n'avaient plus cette desserte pendant au moins 6 mois. C'est des arrêts TCO, la ZUP et Docteur Raymond Vergès, donc 3 lignes non desservies pendant 6 mois. Et que maintenant, aujourd'hui, c'est à nouveau redesservi pour les usagers, pour évidemment bien accueillir les usagers. Éventuellement rassurer nos conducteurs, rassurer nos agents et rassurer les usagers que enfin la ligne est à nouveau desservie et également sécurisée.